Donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette méditation, de ce temps de méditation avec Petit Bambou. Donc, je m'appelle Coco Braque de la Perrière. Je suis coach de dirigeants, d'équipe dirigeante. J'enseigne la pleine conscience en entreprise et aussi pour le grand public. J'adore faire des conférences un peu partout sur le sujet de l'attention, sur le sujet de la présence, sur le sujet du moment présent. J'ai écrit trois livres, un livre qui s'appelle Lâcher prise sans laisser tomber et le dernier qui s'appelle Déconnecte si tu oses, parce que je pars du postulat que l'hyperconnexion est un enjeu de santé publique et qu'on a tous notre responsabilité par rapport à notre relation à l'écran. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai eu très envie avec Petit Bambou de créer un programme qu'il y a sur Petit Bambou depuis quelques années déjà, sur le Digital Detox. J'ai créé un autre programme sur la méditation et le chant. Et là, je suis en train d'en tricoter un autre sur la sororité, c'est-à-dire les femmes, voilà, la puissance du lien féminin. J'adore évidemment Petit Bambou, hein, on est tous d'accord, si on est ensemble ce soir, c'est que on est tous fanas de cette appli qui nous offre des moments de pause, qui nous font des cadeaux comme celui de ce soir. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ensemble ce soir? Eh bien, on va méditer. D'abord, une petite courte méditation qui nous mette dans l'ambiance en stabilité. Et puis après, ça sera un autre style de méditation où on pourra plus être en mouvement. C'est pour ça que la thématique de ce soir, c'est stabilité. Et renaissance. Pourquoi renaissance, bien évidemment, mais parce que on a passé quelque temps en stabilité, même dans l'incertitude, avec l'hiver, et que maintenant que le printemps est sous nos pieds, devant nos yeux, il y a ce sentiment de renaissance. Moi, je dis toujours que au niveau terrestre, en gros, le printemps, sous l'impulsion de l'énergie vitale, hein, de la Terre, crée justement cette renaissance, cette naissance de la vie qui se déploie avec la lumière, avec les champs, avec les oiseaux, avec le fleurissement de la nature. On le voit, on le sent. Donc ça, c'est la terre, mais au niveau de l'homme et de la femme, le printemps, c'est une sorte de rapport avec l'enfance, avec l'adolescence, avec la libération aussi, avec l'ouverture. Et je dis toujours qu'en fait, le printemps, il y a cette relation avec cette nouvelle énergie, une sorte d'énergie un peu sauvage, un peu rustique, mais un peu sauvage aussi. Et avec le réveil de ces énergies, on sait bien que le printemps, c'est aussi un moment pour planifier des nouveaux projets, faire des travaux de nettoyage, du tri, du débarrassage, d'objets devenus un peu encombrants ou dont on n'a plus besoin. Aussi du nettoyage pour ceux qui ont un jardin. C'est le moment aussi de préparer la pelouse, de planter des fleurs, de couper, d'élaguer. Donc, je trouve que voilà, c'est une période qui est magnifique pour renaître. Magnifique aussi parce qu'on voit bien que si on est dans cette qualité de présence quand on marche, quand on se promène, il y a toutes ces couleurs vives, après de ces teintes monochromes de l'hiver qui arrive. C'est chouette aussi d'entendre les gazouillis des oiseaux, la chaleur qui pénètre doucement à travers les fenêtres, qui sort de la terre aussi. Voilà, c'est vraiment un cycle où dès le matin, il y a cette inspiration qui se passe, qui est peut-être plus ouverte, plus généreuse que celle de l'hiver. Donc, c'est comme si on rentrait dans une phase active. Mais avant de rentrer dans cette phase active, je vous propose de vous mettre d'abord en stabilité, c'est-à-dire de revenir au centre. Et ensemble, pour revenir au centre, ce que je vous propose ensemble, je crois qu'on doit être à peu près plus de 500 ce soir ensemble, c'est de prendre place. Donc, de vous asseoir, zafou, chaise, où vous voulez, mais de vous asseoir pour bien sentir le contact des pieds avec le sol. Voilà. Donc, une fois que vous êtes assis, quand je dis assis, ça serait chouette qu'on fasse ensemble
l'expérience de ne pas s'asseoir en s'avachissant sur le dossier, mais juste assis avec cette présence. Voilà, juste, je suis là, assise. Je commence à fermer les yeux. Je ressens encore une fois le contact de mes pieds avec le sol, ce sol qui est stable malgré tout ce qu'on lui fait subir. Et en même temps, ce sol, voilà, qui fleurit, qui vit au printemps. Et puis, j'atterris dans mon corps. Je prends ce temps, ce lundi, fin de journée, en début de semaine, début de printemps, pour atterrir dans mon corps. Et juste de faire l'expérience de sentir le temps que ça prend d'atterrir dans notre corps. Alors qu'on a peut-être passé une journée très active sur un écran ou très active à l'extérieur. Je prends ce temps de sentir mon corps, sentir ma posture. Et puis surtout d'aller relâcher tous les muscles qui n'ont pas besoin d'être contractés dans cette posture d'assise, de présence. Relâcher les cuisses, relâcher le bas du ventre, relâcher les épaules, relâcher les mâchoires, les bas-joues, comme si on faisait tomber les masques. Et de sentir que quand on relâche, quand on lâche, la respiration, elle aussi, lâche. Elle est plus détendue, plus spacieuse. Maintenant que j'ai atterri dans cette machine miraculeuse qu'est mon corps, je vais faire l'expérience d'aller ressentir cette posture de non-agir, cette posture ancrée, stable. Immobile. Et à nouveau, alors que je sens que je suis stable, immobile, même si ça gratouille, même si j'ai envie de bouger, je suis là, disponible. Et je vais aller faire l'expérience de sentir que sous cette stabilité, il y a du mouvement. Il y a de la vie. Sous cette stabilité, il y a un cœur qui bat au rythme de la respiration. Sous cette stabilité, il y a une respiration qui se fait, qui charge mon corps d'oxygène. J'ai un ventre qui se relâche. Sous cette stabilité, il y a les fluides qui circulent. Je sais que mon corps est composé d'entre 70 et 90% d'eau. Alors que je suis stable, à l'intérieur, il y a le sang qui circule, qui nourrit, qui oxygène. Et à nouveau, derrière cette stabilité, il y a toute mes cellules qui se renouvellent et aussi celles qui meurent. Il y a toutes mes neurones qui se connectent pour juste entendre et ressentir. Et encore une fois, sous cette stabilité, dès que j'inspire, il y a des milliers d'alvéoles qui bougent dans mes poumons. Alors que je suis rentrée dans cet espace de stabilité, je fais l'expérience de ce magnifique paradoxe où stabilité et mouvement sont un magnifique duo. Stabilité, renaissance, magnifique duo.
Et maintenant, ce que je vous propose, c'est de rester soit assise, assis, soit de vous lever, soit de vous allonger. Juste aller sentir ce qui est bon pour vous. Mais si vous restez debout, c'est aussi dans l'immobilité pour l'instant. Si vous restez assis aussi, allongé, dans l'immobilité aussi. Et puis une fois que vous avez trouvé cette nouvelle juste posture, vous avez choisi votre endroit, à nouveau de sentir vos pieds et d'aller mettre de la respiration sous les pieds. Comme si vous donniez un espace entre les deux pieds pour que vous soyez posé sur les deux jambes. Et sentir votre verticalité. Verticalité quand je suis assise, idem quand je suis debout, idem quand je suis allongée. Sentir peut-être cette lourdeur dans vos jambes. Et puis que vous soyez encore une fois assis, debout ou allongé, je vous invite à plier vos genoux. Comme si votre corps entier devenait un balancier en mettant du mou dans les genoux, en mettant un peu plus de rondeur dans ce balancier. Et en lâchant la tête, je lâche la tête et je mets un peu de mou. Comme si j'étais une sorte d'espèce d'algue qui respire au gré du vent. Et à nouveau, de vous engager dans vos pieds. Et quand je dis ça, je veux dire que c'est comme si l'engagement allait dans les pieds. Sentir que sous vos pieds qui vous tiennent, qui vous supportent, qui vous transportent, je pouvais aller dans la matière des pieds. À nouveau, je ressens mes pieds au sol. Je ressens ce petit écart qui est entre mes deux pieds. Je fais une descente à l'intérieur des pieds en passant par les genoux. Et je mets toujours pareil ce mouvement, ce léger mouvement. Comme si j'étais fluide, comme si voilà, j'étais cette algue qui était là. Comme si voilà, vous alliez chercher un balancement naturel. Rien à faire, il n'y a pas à forcer. C'est comme si vous écoutiez le mouvement du corps, comme un battement de cœur. Et je continue à descendre à l'intérieur du corps et je respire à l'intérieur du corps. Et je sens ces pieds qui sont lourds, ces genoux qui sont lourds. Toujours pareil, je descends, je prends ces escaliers intérieurs. Je détends les épaules, je détends la tête. Et je détends les mâchoires. Et toujours pareil, je sens cette verticalité, cet ancrage dans mes pieds et en même temps, je sens ce mouvement. Un mouvement, voilà, fluide, tranquille, authentique. Comme si j'ai laissé ce petit rythme aller dans mon corps. Voilà, et peut-être de me poser la question là maintenant. Comment je suis là, maintenant? Et toujours en étant dans ce léger mouvement, dans cette danse intérieure, je vais donner de la conscience, de la présence à mes chevilles. Peut-être que je sens même à un moment donné une sensation de picotement, de chaleur, de brûlure dans mes pieds. Mais peut-être que je sens rien du tout et tout est OK.
Là, je vais mettre de la conscience dans mes chevilles. Je peux même bouger mes chevilles, comme si je mettais, tiens, du fluide dans mes chevilles. Comme si je pouvais tourner autour de mes chevilles avec un halo d'attention autour de mes chevilles. Puis maintenant, je mets de l'attention dans mes mollets. Comme si je ressentais mes mollets. Et je respire. Et je mets du mou. Et puis maintenant, je sens que je peux monter l'attention et mettre de la conscience, de la respiration, de la présence dans les genoux. Et je mets du souffle maintenant dans les cuisses. C'est une manière comme si je mettais en vie. J'allumais l'énergie à l'intérieur. Toujours en mettant du mou. Et puis maintenant, je prends conscience de fessiers, des hanches, de mon ventre et je mets de la respiration là-dedans tout en mettant du mouvement. J'ai les yeux fermés. Et je prends conscience aussi de cette colonne vertébrale là qui me tient en verticale toute la journée quand je suis assise, assis, ou quand je suis allongée ou quand je suis debout. Elle est là, elle me porte. Et moi, je vais lui mettre un peu de mou, de mouvement, de vague dans cette colonne vertébrale. Et puis, je ressens qu'il y a ses épaules qui partent. Et peut-être que du coup, je remue mes épaules, je fais tourner mes épaules. Je respire dans le bras droit. Je peux même bouger mon bras droit, je respire. Et je bouge mon bras gauche. Et je respire dans le bras droit, dans le bras gauche. Je sens que c'est lourd et je sens que ça descend jusqu'au bout des mains. Je mets mon attention jusqu'au bout des doigts, des mains. Et je respire à l'intérieur. Voilà, je sens que j'accueille ce mou. Il n'y a plus aucune raideur dans mon corps. Stabilité et renaissance. Je suis ancrée, je suis présent, présente. Mais je sens que je remets de l'énergie, de la vie, de la conscience dans chaque partie de mon corps. Je sens le squelette du crâne, de la tête aussi. Et puis maintenant, je donne de l'attention à mes yeux, comme si mes yeux pouvaient se tourner à l'intérieur et m'aider à voir à l'intérieur du corps. Comme si je me connectais à ce noir qui est à l'intérieur. Je continue toujours à être en mouvement et d'aller regarder la couleur qu'il y a à l'intérieur de moi là maintenant. Et quelle qu'elle soit, de l'accueillir. Et puis d'accepter de me poser à l'intérieur de ce corps avec douceur. Sentir à quel point la douceur, c'est une force de transformation de la vie. Le printemps, il ne se fait pas avec brutalité. Il s'est fait petit à petit, tranquillement. Avec douceur, avec le vent, avec le soleil, avec l'eau, avec les éléments. Et cette douceur, elle est lumineuse, elle est nécessaire à la vie. D'ailleurs, est-ce qu'on pourrait survivre sans cette douceur, cette lumière, cette chaleur, ces éléments? Et juste de sentir à quel point à nouveau, aujourd'hui, là, ce soir, maintenant, ensemble, on est en contact avec tous ces éléments. Et de sentir à quel point la douceur de ces éléments, elle peut être enveloppante.
nourrissante. Quel point elle est plénitude. Comme si cette douceur, cette renaissance, elle connectait notre corps d'adulte à notre corps de nourrisson. J'ai presque envie de dire que cette douceur, c'est la plénitude de la force. Juste aller ressentir cette douceur qui est à l'intérieur, mais aussi cette douceur qui est à l'extérieur. Et de continuer maintenant, comme si du haut de ma tête, j'ai décidé d'aller descendre par l'escalier qu'il y a à l'intérieur de mon corps. Et je mets du mouvement juste dans ma gorge. Comme si je voulais avancer le menton et toucher avec mon menton le mur qui est devant moi. Et puis, comme si je faisais la tortue à gauche, à droite. C'est un remède de la vie dans cette gorge. Ouais, je respire. Comme si c'était une manière d'aller dégager, ouvrir à l'intérieur de la gorge. Et je respire encore, et puis je dégage ce menton le plus loin possible, avec des mouvements sur le côté, toujours en douceur. Gardez les yeux fermés, juste laissez-vous bercer par les consignes. Il n'y a juste rien à faire, nulle part où aller, il y a juste à lâcher prise. Lâcher prise et sentir à quel point on peut être présent, présente, alignée, disponible, muscler cette qualité d'éveil et être en mouvement. Un mouvement qui respecte le besoin du corps. Besoin du corps. Voilà, de sentir que je mets de l'espace dans ma glotte. Sentir que je détends les muscles de la gorge. Puis je vais ouvrir cette gorge le plus haut possible. Voilà, comme si je voulais montrer ma gorge au ciel. Et ça détend. Et en même temps, je sens que ça crée un pincement dans la nuque et je recommence toujours en douceur et en mouvement. Et puis maintenant, de la même manière, je laisse légèrement retomber ma tête, juste pour sentir le poids de ma tête, sentir à quel point ma nuque, mon cou, retiens ma tête et que mon cou est tellement souvent sollicité quand je regarde mon écran et en douceur. Voilà, je fais des mouvements comme si je faisais des mini huit avec ma tête. Je peux sentir peut-être le contact de mes cheveux sur mon visage. Et je continue. Ouais. Je suis douce avec moi-même, compréhensive avec moi-même. C'est comme si j'accueillais ma vulnérabilité là, de ce lundi soir. Et toute la vulnérabilité que j'ai pas accueillie pendant des jours, des mois, des années peut-être. Voilà, comme si je décidais de faire un acte radical d'amour pour moi-même. Mettre de la douceur. Mettre de la douceur dans le mouvement. Mettre de la douceur dans la respiration. Mettre de la douceur dans cette stabilité, cet ancrage, cette permanence. Je suis là, quelles que soient les situations agréables et désagréables. Je les ai accueillies, je continue à les accueillir, sans rajouter de jugement, de critique.
Alors que j'ai déjà commencé à bouger la tête, la mâchoire, à mettre du mou, à ressentir ce balancement de la tête, des cheveux. Je peux faire la même chose maintenant avec les épaules, comme si je voulais commencer à ouvrir mes bras, ouvrir mes épaules, laisser respirer le thorax. Sentir qu'il y a de l'espace à l'intérieur qui se crée. Comme si je lâchais prise sur toutes les tensions du corps qui ont pu être là. Comme si en fait je préparais mon corps à planter de nouvelles graines. Donc pour y arriver, il faut que je fasse de la place. Il faut que je crée de l'espace. Il faut que je fasse circuler un peu avec douceur. Énergie. Il faut que je lâche prise et j'étire le plus possible mes épaules, ma tête et je souffle. Et j'ouvre grand les bras petit à petit, comme si je laissais rentrer à l'intérieur du cœur, du corps, un nouvel espace. Espace pour ma vulnérabilité, espace pour ma créativité, espace pour prendre ma douceur dans les bras, et de l'espace pour cette graine de renaissance. Où est-ce que je la plante dans le corps? J'ai les bras ouverts, je peux respirer. Au niveau du thorax. Et je me concentre uniquement sur ma poitrine, sur mon cœur. Comment je peux ouvrir un peu plus cette partie du thorax pour sentir que entre chaque respiration, je crée à nouveau de l'espace. Ça se passe devant. Je respire et je sens l'ouverture du cœur. Comme si, à un moment donné, j'étais touchée par cette ouverture du cœur. Puis je peux déposer à nouveau les bras sur les genoux et sentir que ça y est, le thorax est ouvert. Je suis toujours stable. Soit debout, soit allongée, soit assise, assis. Et je sens que cette ouverture-là sur le cœur se produit petit à petit parce que je ramène de la présence, de la conscience dans cette ouverture et dans cette nécessité de créer de l'espace. Nécessité. De pouvoir ressentir le mouvement que mon corps a besoin. Ouais, et je respire à l'intérieur. Et je sens que plus je suis dans cette ouverture du cœur, plus j'ouvre, plus j'accentue tout en douceur en cet endroit finalement si fragile, très fragile. Et quand je souffle, je vais dans le mouvement. Et quand j'inspire, au bout de mon souffle, au bout de mon mouvement, c'est comme une sorte d'engagement dans le mouvement pour aller regarder à l'intérieur du cœur de quoi il aurait besoin pour renaître, pour traverser ce pont entre stabilité et renaissance. Voilà. De vous poser la question là maintenant, de quoi j'ai besoin pour aller goûter cette sensation de la renaissance. Renaissance dans ma manière de penser, dans ma manière de respirer, dans ma manière d'être en lien avec moi-même. Renaissance dans ma manière d'être en lien avec l'extérieur.
Renaissance dans ma manière aussi d'appréhender l'inconnu, l'incertitude. De quoi j'ai besoin? Et je respire à l'intérieur de cette question. De quoi j'ai besoin? Et peut-être, quand vous vous posez cette question, un vide qui est là. Ou au contraire, plusieurs réponses qui se manifestent. Continuez à plonger à l'intérieur pour sentir et écouter ce que raconte justement cette petite voix intérieure qui a juste derrière le cœur de quoi j'ai besoin. De temps, de calme, de confiance, de pause, de tranquillité, j'ai besoin d'espace. J'ai besoin d'un terrain vierge. De quoi j'ai besoin? Continuez à vous poser la question, de quoi j'ai besoin? Là, maintenant. Et plus je me pose cette question, plus je vais dans le mouvement. Et je me laisse aller dans le mouvement. Quand j'inspire, j'ouvre. Pas de respiration forte, il y a juste une respiration qui va avec mon besoin. Sentir l'ouverture qui est là. Ouh, magnifique. Peut-être de ressentir aussi comment on s'est coupé, endurci pour protéger le doux et le fragile qui est à l'intérieur. Comme si là, maintenant, je pouvais toucher du doigt de ma conscience, ce noyau vivant qui se cache derrière toutes les couches de protection corporelle ou psychologique, toutes ces armures qui sont là pour des situations en résilience, en survie, en stress. Mais de se ressentir à quel point justement là dans le mouvement, en mettant légèrement mon corps en mouvement, c'est comme si je sortais de cette armure, comme si je me débarrassais de ce dont j'ai plus besoin, toujours les yeux fermés, toujours en stabilité et toujours avec cette ouverture du cœur. J'en ai plus besoin. Je m'autorise à réouvrir cette partie enfouie au plus profond de moi. Ça passe par le lâcher prise, l'acceptation de cette vulnérabilité. Ça passe par oser, abandonner, s'abandonner, être prête, prête à tout. Allez, on y va, on ose. C'est comme si on allait goûter encore une fois avec cette douceur du mouvement. La sérénité à l'intérieur, le plaisir d'être soi à sa place, là maintenant. Ouais. Et je respire et je me détends. Je me pose dans ma tête, dans mes épaules. Ouais. Dans ma présence. Et je laisse poser quelques minutes en silence. Alors que j'ai passé déjà plus de 35 minutes à être en mouvement, en douceur avec mon corps, je commence petit à petit à réduire le mouvement. Comme si mon corps était en train d'écouter le silence à l'intérieur, sentir que ça ralentit, tout ralentit.
ma respiration, mon rythme cardiaque, mes pensées ruminatives, autobiographiques. Je suis toujours droite, droit. Comme si d'avoir fait ce voyage dans le corps, en mouvement, en douceur, c'était comme une sorte de nettoyage. Je recommence à donner de la conscience à mes pieds, à mes chevilles, à mes genoux. Mes cuisses, à mon fessier, à mon ventre et de ralentir encore le mouvement, doucement. Sentir que petit à petit, je vais aller me poser dans cette stabilité, retrouver la stabilité. Comme si en retrouvant progressivement la stabilité, le corps ne bouge plus, j'allais pouvoir visiter la plus belle partie de moi-même, la partie la plus douce. Et laisser venir cette partie qui vient, juste faire confiance, ça y est, je suis stable, disponible. Je vais juste aller prendre ce temps en silence pour me connecter à la partie la plus douce qu'il y a en moi. Celle que j'ai peut-être oubliée. Celle que je sollicite sans arrêt. Une fois que j'ai identifié cette partie-là, juste aller respirer à l'intérieur, comme si c'était un bébé que je prenais dans les bras et que je berçais. Et par cette expérience, c'est comme si on descendait encore les escaliers à l'intérieur pour aller en contact avec le ressenti plus profondément, comme si d'amener de la douceur dans toutes les cellules de mon corps, ça me permettait de m'engager avec douceur dans cette renaissance. Et je continue à descendre, plus vrai, plus profond, plus loin. Allez, oser explorer tous les espaces de mon corps avec douceur, avec amour. Alors que cette méditation de la stabilité et la renaissance touche presque à sa fin, de prendre conscience du corps qui est là ancré et de continuer à se déposer. Déposer grâce à la respiration, grâce à l'ancrage. Et peut-être de ressentir qu'est-ce qui a ralenti à l'intérieur, comme si j'étais dans l'espace, comme si c'était la première fois que je rentrais en douceur avec mon corps, comme si c'était la première fois que je me connectais à la douceur dans tous les muscles, comme si je pouvais caresser à l'intérieur
la matière, le dessus, le dessous, aller explorer avec cet esprit du débutant. Et aller ressentir de la même manière qu'on a commencé ce qui bouge à l'intérieur. Peut-être que si je tends l'oreille, je peux écouter le rythme de mon cœur, les battements cardiaques. C'est une manière de se choisir, rentrer en douceur, avec stabilité, pour renaître. C'est vraiment se choisir. Puis maintenant, de se poser la question, est-ce que je suis prête? Prêt à m'engager dans la douceur avec mes parties vulnérables, avec mes peurs, avec mes colères, mes doutes, mes erreurs, avec mon intégrité, entièrement, parce que c'est de moi qu'il s'agit. Comment je décide de me choisir? À quoi ressemble ma douceur à moi en vrai? Et je laisse poser encore. Plus profondément, plus doucement. Comme si cette douceur, elle me servait de trait d'union entre l'intérieur et l'extérieur. Entre le fond et la forme. Comme une clé d'ouverture. Trait d'union. Qui me permettrait à la douceur de nous habiter. C'est comme si en fait on accueillait la vie en nous, sa chaleur, sa couleur, son odeur, sa présence. Le printemps à l'intérieur, quoi. Et voilà, alors qu'on a fait ce voyage ensemble. À la stabilité, à la renaissance, par la douceur, d'ouvrir les yeux doucement, d'être là, et peut-être de partager quelque chose sur nos commentaires, partager le mot qui est là, le mot qui vous vient, après vous avoir donné justement autant de douceur, quel est le mot intuitivement qui est là? Moi, celui qui me vient en tout cas pour moi, c'est... joyeuseté. Alors, je ne sais pas si on peut lire les mots en live. Attendre quelques temps, voir s'il y en a qui arrivent pour pouvoir les partager avec vous. Je vois qu'il y a des gens qui viennent de la Drôme, qui viennent du Sud. Apaisement, voyage, délice, couleur orange, repos, douceur, liberté. Calme. Donc vous avez vu à quel point réconfort. Ouais. À quel point finalement quand on décide
de rentrer en douceur avec soi-même, ça demande un peu de temps, ça demande de l'engagement. Et que c'est possible aussi de pouvoir être en douceur, être en stabilité et être vivant à l'intérieur. Tendresse, détente, sérénité. Ah, qu'est-ce que ça serait chouette si on pouvait parler ce langage tous les jours quand on commence notre journée au boulot. Magnifique. Présence, chaleur. Alors que vous continuez à partager ce mot qui est là, peut-être un mot justement avec lequel vous pouvez tricoter tout le reste de la semaine. Si vous avez une ou deux questions à poser, voir si je peux y répondre avant de nous quitter. Et puis surtout, voilà, on peut, si vous voulez réécouter cette méditation, hein, cette méditation où on était en mouvement, il y a le replay qui sera là sur Facebook, YouTube. J'adore lire vos mots, paix, détente, douceur, chaleur, tendresse. Et en fait, c'est que des mots de maternité, ça. C'est pour ça qu'on peut parler de renaissance. Renaissance avec soi. C'est comme si on rentrait en maternité à l'intérieur. Donc, j'attends de voir lâcher prise. Si vous avez des questions, une ou deux questions avant qu'on se quitte en douceur, en amour, hein, on peut se prendre dans les bras. Imaginez qu'on est 500 derrière nos écrans, on peut se prendre dans les bras. J'ai peur de prendre soin de moi, mais j'ai une grande envie d'apprendre à le faire. Alors, je ne sais pas de qui c'est, mais en tout cas, si vous êtes là ce soir, c'est déjà un beau chemin, un beau début de chemin pour prendre soin de vous. Et derrière chaque peur, il y a toujours une envie. Donc, allez écouter l'envie qu'il y a derrière cette peur, l'envie d'apprendre à le faire. Et en fait, plutôt que d'apprendre, il y a, je dirais, sentir. Parce que dans apprendre, il y a un côté un peu genre technique, scolaire. Non, faites confiance au processus. Béatitude, décollage, réconfort, cocon, douceur. Magnifique. J'adore. Je continue un peu à lire les partages ou les questions qui sont là, qui seront les bien, qui sont les bienvenues. Merci. Merci à vous. Merci de vraiment faire confiance à ce que propose Petit Bambou. C'est précieux ce que propose Petit Bambou. C'est vraiment, ouais, c'est précieux. C'est précieux parce que derrière, effectivement, cette méditation, il y a Marine, la technique aussi. Donc, merci à toi, Marine, d'avoir fait un essai technique avec moi cet après-midi, d'être là maintenant derrière. Donc, il y a toujours de la présence, c'est pas aussi simple. Voilà, ça demande de l'engagement aussi pour Petit Bambou. Ce que je vous propose, c'est de vous retrouver sur le chemin, hein, sur le chemin de l'intériorité, vous retrouver sur Petit Bambou aussi. Et puis, n'hésitez pas, je sais pas, je sais qu'il y a plein d'autres intervenants qui arrivent, à vous offrir autant de réconfort, douceur, béatitude, décollage. Merci parce que de lire tous vos mots, moi, ça remplit mon cœur. Et du coup, comme il était bien ouvert avec cette méditation, moi, je suis en lien avec vous. Donc, à bientôt sur le chemin. Je vous embrasse.